Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Fraisseau et de son mari. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Mehdi c'est son nouvel époux. Comme vous le savez, Sarah a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est mariée à de nombreuses reprises. Dans cette vidéo, Sarah s'est filmée avec Mehdi et elle a eu un comportement exécrable avec lui. En effet, Sarah maltraite clairement son petit copain après sa brutalité. Rupture avec Ahmed. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Ça y est, de retour à la maison. Donc là, on vient d'atterrir sur Dubaï. Donc déjà, première galère. Il y a un mec qui s'est barré avec la valise de Mehdi. Tout à l'heure, on est en train d'attendre. J'ai super chaud. J'ai hâte d'arriver à la maison, de me changer, de me doucher. Je t'explique. J'ai dormi tout le vol, mais quand je vous dis j'ai dormi tout le vol, ici il est minuit, 1h du matin, j'ai pas sommeil, donc je pense que je vais être dans la merde. Soit je tape une nuit blanche et demain je reprends un rythme normal, ou soit je sais pas. Mais voilà quoi. Bon, alhamdoulay, le bagage est bien arrivé. Là je disais, alhamdoulay, t'as récupéré ton bagage. Et direction la maison. Bon, alhamdoulay, le... From nose, no nose. Don't worry. I will not go deeper. Just relax. Okay, thank you so much. Okay, just relax. Move. Okay, Islam, thank you so much. Thank you. Il est parti vomir, il est parti. Bon, petit réveil. Brusquement des narines. Mehdi le vit très mal. Comment vous dire? Ce soir, on a un combat de boxe. Je suis trop pressée. Je vous jure, Mehdi, vous irez redécouvrir la maison. Parce que lui, ça fait 2 mois qu'il n'est pas rentré à Dubaï. Sinon, ça va? Ouais. Ça va? Tu redécouvres la maison? Ou ça va de même, on dirait un touriste? Tu veux quoi? Tu me fais chier de bon matin. Hein. Il a pété les plombs cet enfant. T'as pété les plombs toi. Allez, on y va. Ok girls, my hair is done. But maybe I'm going to make opening because it's so curly. Mes cheveux aujourd'hui très bouclés. Mais on va aller voler un peu plus. Today, girls, I'm so excited because I'm going to see fights like boxing in Abu Dhabi. I'm so excited about this because I love this event. I'll show you maybe in the night. And sorry for my English, it's not so good, but maybe I'll try my best. And sorry for my English, it's not... Now I talk to English because I have a lot of people ask me, you talk French, I don't understand. I want to be to talk in English because I love your stories. Maybe I try to make my best for you. Voilà. Et pour toutes les filles qui n'ont pas compris, ou du moins, j'espère que déjà vous essayerez d'apprendre l'anglais à travers moi, les bases, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément anglais. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de gérer l'anglais et le français un peu plus souvent. Déjà rien que pour moi, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre la langue bien comme il faut. Et en plus de ça, bah j'ai aussi des communautés qui sont étrangères et du coup, ils ne comprennent pas toutes mes stories. Et du coup, je pense que ce sera bénéfique pour vous comme pour eux. Hey, now I'm going to my house, I'm making my makeup and I'm going to Abu Dhabi. Et pour les filles, je vais rentrer à la maison, je vais faire mon maquillage et let's go à Abu Dhabi pour le match de boxe, enfin
l'événement de boxe. J'en parle déjà depuis 2 jours sur Instagram. Et puis voilà quoi. Et là je vais rentrer à la maison. D'ailleurs je vais prendre mes coupe-faim Joya parce que je commence à avoir la dalle et j'ai pas envie de craquer en sachant que je suis en cure de régime. Hier j'ai mangé hyper sain, riz, poulet. J'ai mangé quoi d'autre, c'est tout. Riz, poulet avec des fruits. Ouais. Et franchement les filles, les gélules que j'ai trouvées coupe-faim sont les meilleures que j'ai pu trouver sur le marché. Vraiment, voilà qu'elles fonctionnent réellement. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, qui ont du mal à gérer leur dalle, franchement, je vous les conseille de ouf. Je vais vous montrer c'est lesquelles. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais moi, c'est une tuerie, c'est gélule. Hi babe! Baby? Ça fait 2 fois que j'ai failli tomber là. Baby! He is in the bathroom. He's making a shower. Okay, let's go. Babe? Everything is good? Everything is good? Yes? Very good. I want to show you my beauty space. The beauty space I'm making my makeup. And I have a lot of cream, a lot of perfumes. I love the perfumes. In Dubai, I love the perfume because you have a lot of perfumes with a musk and the oud and a lot of things. There is a lot of cream, and for my hair, there I have oil. This is for your hair is gonna be long. Contente, je les ai reçus. Je suis trop contente. Je love these browns. I talked to you maybe 5 minutes. I love the perfume. This perfume is for the intimacy. I like it. Sweet lychee. And that one is musk white. The best one. Hello tout le monde, tête de fou. Je suis pas encore coiffée tout. C'est normal de se réveiller, de regarder BFM et il y a encore un nouveau meurtre d'un enfant en fait. Je comprends plus rien. Mais où va ce monde? Il n'y a pas que l'enfant, il y a une dame familiale. Ouais, il y a une famille aussi. Tous morts. Putain, et se dire que moi je galère à avoir des enfants et il y a des gens qui tuent leurs gosses. J'ai trop le seum. C'est des malades. Mais c'est des malades. C'est des malades. Faut arrêter les séries Netflix. Pour le meurtre, est-ce que c'est pour les deux? Je remettrai un petit peu aussi en question à ce stade les notions de sang-froid, par exemple, ou de froideur de l'individu. On se réveille. On y va. Je veux un petit verre, prendre un médicament. Mais toi, t'as pété les plombs. Non, mais parlez à votre pote. Voilà. C'est pas parce que je suis en pleine forme que tranquille, j'ai mal. J'ai mal. Lui, il est fou. Regardez les bleus. Et moi, je crois que je suis une warrior. Moi, je te frappe. J'ai acheté la game de mes barres. Tu veux des chips? Je cherche quand même à faire grossir, toi, je sors d'une opération. Bébé hooké. Les chips. Je suis gonflée, mais quand je vous dis gonflée de cerfie, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai les jambes des poudins là. C'est normal. Le temps de dégonfler, ça prend quelques jours.
Résultat final, un mois. Et j'ai mal à la peau. Mais bon. Parce qu'il faut... À quelle heure il y a une malade pour la récupérer. Il faut souffrir pour être belle, est-ce que... Tiens, je t'appelle l'ambulance. Et l'ambulance, elle arrive. Ta blague pas marrante. Ah, la blague pas marrante. Ouais, pas marrant, il est grave pas marrant. C'est pas drôle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.